marché. C'est incroyable. On a le Ragnarok avec nous. Le plan de Surt. Il a marché. Je veux dire, les Valkyries ont posé problème, mais je suis sûr qu'Odin commence à s'inquiéter. Il sait qu'il va avoir affaire à nous. Quand on y pense, on va arriver à Asgard et le Ragnarok va venir et tout détruire. Odin n'aura pas l'ombre d'une chance. On va gagner. Groa avait raison. Groa n'a pas su prédire ce que nous allions sacrifier en retour. Elle ne voyait peut-être que les grandes lignes. Ça va marcher, en vrai. Il le faut. Ragnarok gagne en puissance. Hé, regarde cette falaise. La secousse a dû être assez forte pour créer une corniche. Encore des hommes d'Odin. Ils viennent finir ce que les Valkyries ont commencé. À ta gauche. Alors, tu as mené de nombreuses guerres, pas vrai? Tu n'as jamais eu d'alliés comme le Ragnarok à tes côtés? Si. Et la créature ne garantit pas notre victoire. C'est vrai. Une secousse. Si ça continue, tout le royaume va s'effondrer. Yeah!
Toujours debout, c'est bon? Derrière, vont continuer à nous attaquer sans relâche. Il faut qu'on s'en aille. Tu me dis rien. Je sais, tu me dis jamais rien, mais... là, c'est différent. J'espérais que cette vie de batailles incessantes serait terminée. J'espérais que mon fils ne ferait jamais la guerre. Les Sigillaires peuvent percer leur bouclier.
Père, je sais que nous faisons ce qui est juste. Il faut que le Ragnarok ait lieu. Le tribut que nous avons payé pour cette guerre est... Il ne fera que s'alourdir. Ça en vaut la peine. Hmm? Comment était-ce? Eh oui, j'ai fini par ne plus être d'aucune utilité à ce crétin de Van. Le Ragnarok attend notre appel. Tout comme les armées de Hel. Grâce à moi, surtout. Il semble que la guerre arrive enfin. Où allons-nous, mon frère? Nous avons du temps avant de rejoindre les autres temples. C'est peut-être notre dernière chance, père. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux finir? Alors, nous y voilà. Le début de la fin. La fin d'Odin. Et ensuite, un nouveau départ pour nous tous. Atreus. Je sais. J'ai simplement hâte de voir tous les royaumes s'unir enfin pour lui tenir tête. Les elfes, les nains et elle en personne. Tu as l'air certain qu'ils s'uniront. Ils le doivent. Après tout ce qu'ils ont traversé. Ils le doivent. Pas vrai ? Tu n'as rien besoin de faire à Midgard? Je veux dire, tant qu'on le peut encore? Freya et les autres sont encore en train de préparer l'assaut. Nous avons du temps. Une autre pierre tombale de Berserker. Frère, concernant les oracles de ton pays, dirais-tu qu'elles manipulaient les événements? Avaient-elles leur propre motivation? Je ne doute pas qu'elles agissaient avant tout dans leur intérêt. Mais d'après mon expérience, elles pouvaient aisément être trompées par leur propre prophétie. Mais cela suffit. Il est temps. Bien. C'est quand tu veux. Les armées se sont sûrement rassemblées dans leurs royaumes respectifs, en attendant qu'on sonne le Gjallarhorn. J'espérais que certains d'entre eux seraient déjà ici. Quand toutes les tours des royaumes s'ouvriront une à une, tu les verras, petit. Odin n'en croira pas son œil. Non. Odin a eu l'éternité pour se préparer. Même si Groala du pays a entendu la vérité sous les traits de Tyr, ne le sous-estimez pas. Excellent discours, mon frère. Très motivant. Wouah ! Les Valkyries ont l'air différentes. Bienvenue. Ildis Vini m'a raconté votre réussite. Nous nous sommes préparés en conséquence. Eh bien, que serait le Ragnarok sans Ragnarok? Qui d'autre nous a rejoints? Je vois les Valkyries. Elles sont même nées à nouveau. Matérielles et dépourvues de toute corruption, grâce à beaucoup de magie Van. Elles sont des Skjaldmo à présent. Génial. Et ton frère? Il est là. Les elfes ont instauré une trêve pour s'unir contre Asgard. Nous aurons l'avantage dans les airs, et avec l'armée de Hel en avant-garde... Et Sindri, est-ce que les nains se battront? Nous sommes sans nouvelles, mais il reste du temps. Et je pense que nous avons ce qu'il faut pour ouvrir la voie à la bête du Ragnarok. Après tout, dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait? Sigrun, comme il est bon de te voir si... vivante. Oh, oui. Je n'étais pas moi-même la dernière fois. Contente que tu sois sauf. Ma reine, les Skjaldmo accompagneront les forces en provenance d'Alfheim, de Helheim et de Midgard. Nous nous tenons prêtes. Kratos, Atreus, Mimir, veuillez m'excuser. Oh. Eh bien, bonne nuit. Freya, as-tu trouvé comment quitter Asgard? Si les tours permettent d'y entrer, espérons qu'elles permettent d'en sortir. Et si ce n'est pas le cas? Nous savions tous où nous mettions les pieds. Il ne nous manque plus qu'une seule chose. Un chef. Cet honneur te revient. C'est ton droit légitime. Et tes troupes te respectent. Et tu as déjà affronté cet ennemi par le passé. J'ai tenu son armée d'invasion en échec. Aujourd'hui, nous sommes les envahisseurs, et nous assiégeons son territoire. Je veux notre général le plus expérimenté aux commandes.
Je n'ai que faire des honneurs, des prophéties ou des champions. Seule la victoire m'importe. Freya... Je sais ce que je te demande. Essaie... d'y réfléchir. Nous y voilà. Kratos, ta tente est sur la droite. Atreus, la tienne est à gauche. La mienne ? Tu ne penses pas qu'un jeune guerrier mérite son propre espace ? Si. Wow. Merci. Pense à ce dont nous avons parlé. Tu me donneras ta décision demain matin. Excuse-moi. Puis-je parler un instant à Mimir ? J'ignore où nous serons demain, mais... si cette nuit est la dernière, j'aimerais ressentir autre chose que de la haine. Me conterais-tu une dernière histoire idiote ? Rien ne me ferait plus plaisir. À part peut-être une danse. Mais je crains d'avoir perdu le rythme. Sauf ton respect, je ne dis pas d'histoire idiote. Toutes tes histoires sont idiotes, Mimir. Tu as toujours raison. Je peux dormir ici ? Fais le vide dans ta tête. J'y sais. Bien. Je vais te raconter une histoire. Si jamais je m'endors, tu pourras la finir demain. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable de les porter. Et il implora la mort de venir le prendre. Et quand la mort arriva, thank you.
Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés, pour veiller sur nous, et nous ramener à la maison. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. C'est ainsi quand on est mortel. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer. Tu ne dis rien ? Je n'ai rien à dire. Eh bien, dis quelque chose. J'aime entendre ta voix. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Ah ? Je viens, nous inhumons ceux qui nous sont chers. Tu me piégerais sous terre pour l'éternité ? Je te garderai près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serait d'un grand réconfort. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois ? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. Pour toi et pour notre fils. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Faye, imaginez ton absence. Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Et pourtant nous aimons, malgré l'inévitable. Nous ouvrons notre cœur à ce risque. Quand le bûcher sera consumé, et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus haut sommet de tous les royaumes. Je veux que tu m'en fasses la promesse.
ceux qu'on pleure le plus sont ceux qu'on aime le plus. Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre. Il est temps. Je te rejoins dehors, père. Général. Nous espérions livrer bataille à vos côtés une dernière fois, ma reine. Moi aussi. Mais plus en tant que reine. En tant que sœur. Es-tu prêt? Oui. Je serai votre général. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, général. Oui, mon frère. Je serai à tes côtés. Alors, quels sont tes ordres ? Allons au temple.